Voici une tâche sans réponse préformulée. Les dimensions d'un rectangle sont deux nombres premiers et la diagonale mesure racine carrée de 218. Question, que vaut l'aire de ce rectangle? Représentons un tel rectangle. Longueur et largeur, ce sont des nombres premiers que nous désignons ici par P1 et P2, et la diagonale de ce rectangle mesure racine carrée de 218. Par application du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous obtenons que P1 au carré plus P2 au carré est égal à la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 218. Nous allons voir maintenant quel nombre premier entre en question. Le 2 pourrait être dans le jeu parce que son carré 4 est plus petit que 218. Idem pour le 3, pour le 5, pour le 7, pour le 11, pour le 13. Le carré de 13 est toujours plus petit que 218, mais attention, le 17 ne peut pas entrer en jeu puisque son carré, c'est 289, nombre qui est plus grand que 218. Donc le 17 est déjà supprimé. Regardons pour le 13. Le carré de 13, c'est 169. Et 169 plus 49, ça donne exactement 218. Donc les deux nombres en question, les deux nombres premiers en question, sont le 13 et le 7. Et par conséquent, l'aire du rectangle vaut 13 fois 7, c'est-à-dire 91. Donc la réponse finale à cette question posée, c'est 91. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.